gueule qui se la pète. Mais moi, au moins, je sais parler français, même si c'est pas correctement 100%. Toi, tu sais parler polonais? Moi, je sais parler polonais. Dziękuję. Do widzenia, nie rozumiem. Voilà. Tu vois? Voilà. Dzień dobry. Jak się masz? C'est déjà pas mal. Jak się masz? Jak się masz? T'as un coucou-coucou sur la tête. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam. Przepraszam. Proszę. Przepraszam. Proszę. Proszę bardzo. Alors, je voulais parler de quelque chose. En tant qu'une étrangère, une migrée, que j'ai changé de pays. Et c'est vrai qu'une fois quand on change de pays, on se sent jamais chez soi. Je ne sens pas vraiment chez moi en France, ni en Pologne, je ne sens plus chez moi non plus. Et je me demande, parce que vivant en Camping-Car, c'est un peu comme si on était des migrés, parce qu'on n'a pas de point d'attache non plus. Les gens qui vivent depuis longtemps dans les camping-cars, je voudrais bien savoir s'ils peuvent partager leur... Ben, je vais partager tout de suite. Puis, non, mais toi, ça fait que un an, et puis toi, tu bouges pas, tu as quand même... C'est pas... Mais les gens qui n'ont vraiment pas de point d'attache, est-ce qu'ils se sentent pas quelquefois tristes, abandonnés? Non. Moi, je pense qu'en fait, il y a un truc qui est difficile... Si s'abandonner, vas-y, je te laisse finir, je vais pas me faire violer. Bah parce que oui, toi, tu as tes parents encore, c'est pas pareil. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le lieu où tu habites. Mais aussi parce que tu as un point d'attache quand même. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas de point d'attache comme moi. Ouais, j'ai vraiment personne. Toi, si vraiment ça ne va pas, tu peux toujours retourner chez tes parents. Et bah, bien sûr. Alors, ils vont dire, viens, on va réinstaller ta chambre, tu peux la décorer comme tu veux. Non, mais t'as rêvé, toi. Pour te dépanner, je dis. Mais jamais ça n'arrivera à ce point, quand même. Ben, c'est sûr. Non, ça n'arrive plus à ce point-là pour les gens. Maintenant, bon, on va dire, il y a quand même des gens qui sont à la rue. Mais je pense qu'être dans la rue, c'est quand même, à long terme, je pense, excusez-moi, peut-être je vais me faire limoger, je pense que c'est un peu un choix, quand même, à long terme. Parce qu'aujourd'hui, on a vachement d'aide, hein, pour pas être dans la rue. Moi, si je voulais un appartement, là, ben, je l'aurais, en fait. Je l'aurais, je vais au foyer, et je dis, j'ai pas dit... Voilà, et puis on me donne un appartement, tu vois. Bon, alors, donc, tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Pourquoi je disais ça? Je disais ça, je pense que, moi, les difficultés que j'ai en camping-car, c'est de le matin, quelquefois, je me lève et je me demande, t'es garé où, là, au fait? Et je dois réfléchir où je suis, parce que quelquefois je me perds. Voilà, mais ça dure 5 secondes, hein, ça dure 10 secondes, et puis hop, tout de suite, t'as dit, ah ouais, t'es garé là. Voilà. Mais ça, c'est ça qui est étrange. C'est qu'à partir du moment où t'as fermé les volets, tu t'as plus notion de l'endroit où tu es garé, même si tu es en ville. C'est ça qui est incroyable. Alors, tu te rappelles vite le matin quand t'entends les camions, hein, qui tournent. Mais tu peux te garer n'importe où. Moi, je me suis garé à des endroits pour dormir, où il n'y avait pas de passage la nuit et le matin, ça circulait. Eh ben, c'était le matin, je devais réfléchir. Est-ce où tu es, quoi? Tu vois? Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Non. Non, bon, bah, alors répondez à sa question, parce que moi, ma réponse n'est pas valable. Je ne vais pas se sentir, un peu... On a tous besoin d'appartenance. C'est ce que l'être humain cherche toujours. On va un peu familial, ou des amis, des gens de frères. On voit bien si tous les ados créent leur groupe, leur bande, leur famille, leur clan. L'être humain, c'est un animal qui vit en groupe. On n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est pour ça qu'on s'entoure, on cherche à créer des liaisons, des clans, des familles. Et quel impact ça a quand même sur le psychisme de quelqu'un qui s'isole et qui vit complètement comme ça tout le temps. Encore si on est à deux, ok, mais je vois quelquefois les vidéos que tu regardes des gens qui sont vraiment seuls, on voit qu'il devient quand même un peu bizarre, hein. Donc c'est des gens qui deviennent quand même un peu bizarres. Bizarre par rapport à la moyenne. Bizarre par rapport au standard que l'être humain a fixé.
Mais est-ce qu'eux, ils se sentent pas mieux? Je sais pas, peut-être ils se sentent bien. Il y a des gens qui aiment la solitude, hein. Je regardais une vidéo d'un youtubeur, justement, il faisait la comparaison entre la France et l'endroit d'où il vient, le Canada, je pense que tout le monde le connaît. Là, il vient de rentrer en Canada, et il disait que il y avait beaucoup moins d'habitants au mètre carré au Canada qu'en France. Ça veut dire qu'en France, quand tu descends de ton camping-car ou de ton van, et que tu vas balader, t'es presque certain de rencontrer quelqu'un. Ça, tu veux pas faire une annonce? Une annonce? Ouais, je sais pas, une annonce. Je voulais dire bonjour à Dominica. Ah. À chaque fois, je lui dis, mais tu ne mets pas. Je ne sais pas si je ne vais pas le couper au montage. Désolé, Dominica. Bonjour, Dominica. Coucou. Voilà. Et après, tu voulais dire quoi? Après, je voulais dire. Moi, je voulais dire, maman, en fait, oui, hein, j'ai lavé mon linge. Et puis, je l'ai étendu. Surtout, couvre-toi bien. Tu as une autre annonce à faire, non? Un message personnel à pas passer, non? Ça, je vais peut-être le couper, hein. Dans le bateau, on va boire l'apéritif. Moi, j'ai rien mangé de la journée. J'ai rien mangé pour pouvoir manger double ici. Arrête de dire ça, menteuse. 4 kilos, bah, ça se voit pas. Tu les portes bien. Moi, je les vois. Alors, tu voulais dire quoi? Tu étais en train de dire justement qu'on était là comme deux cons, c'est ça, hein? On est là comme deux cons, observer les gens. Observer les gens assis au pied du palais de la culture. Moi, ouais. J'ai un joli pansement, très joli. Voilà, tu peux tourner pour montrer ce qu'on voit. Ah, alors, voilà ce qu'on voit. Voilà, on est assis là comme deux cons. Comme deux cons et d'été. Voilà, ouais. Ça c'est nous. Attends. C'est trop près, éloigné un peu parce qu'on verra. Ça c'est nous. Voilà ce qu'on fait. Rien. On s'amuse. Rien du tout. Mais après on va aller manger. Après on va aller manger et après on va aller dans la vieille ville. Voilà, on va faire tout ça quoi. Je vais pouvoir enlever mon pansement après. Non, tant qu'il y a soleil, t'as pas le droit d'enlever. J'ai pas le droit d'enlever le pansement tant qu'il y a le soleil. Parce qu'en fait on a essayé de couper un bout de nez mais on n'est pas arrivé. Donc il a laissé tomber.
Il a sorti son rayon laser, le dermatologue. Le dermatologue, il a dit ici on coupe un morceau, parce que là il est un peu long quand même. Et puis finalement il a vu qu'il y avait des os en dessous, alors il l'a pensé. Du coup maintenant j'ai un pansement. Ah, je voulais faire coucou à Dominica. Ça c'est pas pour la vidéo cette semaine, hein, c'est la semaine prochaine. Bonjour Dominica. Okay, ben, nous on se balade dans la petite forêt qui est à côté de notre bateau Libellule, dans lequel on va manger. Si tu me fais elle donne des bons conseils. Donc dans le petit bateau dans lequel on va manger, voilà, et donc en attendant l'ouverture, parce qu'on est comme les vieux, on est à l'avance, on attend, on se balade un peu dans le parc qui est à côté d'Annecy, qu'on vous a déjà fait visiter si vous avez suivi nos vidéos. Visiter le parc, voilà. On n'a pas fait visiter le parc. On n'a pas fait visiter, si on s'était baladé dans le parc. On s'est baladé, mais on n'a pas fait visiter. Ah, on avait montré quand même. Je crois pas. Non. Voilà. Non. Ma chatounette, aujourd'hui c'est son anniversaire. Ouais.